Aujourd'hui, je vais vous parler de THC et de CBD, le cannabidiol, qui sont contenus dans une plante appelée le chanvre, le cannabis. Il existe trois espèces de cannabis, sativa, ruderalis et indica. Le cannabis indica et sativa sont bien connus pour permettre la préparation de divers produits psychoactifs, comme la marijuana, le haschich ou l'huile de cannabis. Le cannabis sativa contient plus de 560 composés organiques. Parmi ces molécules organiques, on retrouve des composés odoriférants, des pigments végétaux de coloration, ainsi que d'autres composés végétaux. Parmi ces composés, on retrouve les phytocannabinoïdes. Ce sont des molécules capables de se fixer sur des récepteurs endocannabinoïdes. Environ 120 phytocannabinoïdes sont répertoriés, et les plus connus sont le THC, le CBD et le CBN. Le THC est une molécule bien connue pour ses propriétés euphorisantes ainsi que addictives. Le THC et le CBD sont tous les deux capables de se lier à des récepteurs cannabinoïdes, dits les récepteurs CB1 et CB2. On retrouve les récepteurs CB1 dans le système nerveux central et périphérique, au niveau présynaptique. Ces molécules vont activer diverses voies de transduction, notamment impliquées dans diverses fonctions cérébrales, comme l'attention, la mémoire, la cognition, la coordination des mouvements. La fixation du THC ou du CBD sur le récepteur CB1 peut modifier la transmission synaptique. Pour rappel, la synapse est la zone entre deux neurones où s'effectuent des échanges d'informations à partir de neurotransmetteurs. Quant aux récepteurs CB2, ils sont plutôt présents sur les cellules immunitaires. On peut donc distinguer les endocannabinoïdes, synthétisés naturellement par l'organisme à la demande, des phytocannabinoïdes apportés par des préparations à base de cannabis. Le THC est une substance psychoactive, lipophile, qui aime donc la matière grasse. Il va donc s'accumuler dans les tissus adipeux. C'est pourquoi on met plusieurs jours pour l'éliminer entièrement de l'organisme. Le THC a également une affinité beaucoup plus importante que le CBD pour le récepteur CB1. C'est pourquoi le THC est capable d'altérer la perception de l'environnement, du temps et de l'espace, d'accroître la perception aux couleurs ainsi qu'une altération des sens. Ces récepteurs CB1 peuvent également être désensibilisés, on parle de downregulation, ce qui explique que des consommateurs réguliers de THC doivent augmenter la dose pour avoir les mêmes effets euphorisants. Les concentrations les plus élevées en THC et CBD se trouvent dans les fleurs du chanvre, appelées les trichomes. C'est un appendice floral. Donc le THC, c'est une drogue. Une étude estimait qu'aux États-Unis, 30% des consommateurs réguliers de marijuana auront des troubles souvent associés à de la dépendance. Parmi ces effets indésirables rapportés, on retrouve de l'irritabilité, des changements d'humeur, des problèmes de sommeil, une diminution de l'appétit et de l'inconfort physique. On estime qu'environ 9% des consommateurs de marijuana deviendront dépendants et ce chiffre monte jusqu'à 17% quand la consommation de marijuana a commencé lors de l'adolescence. Le CBD, le cannabidiol, c'est une molécule qui a été isolée en 1940 et sa structure a été élucidée en 1963. Sa structure chimique, comme vous pouvez le voir, est vraiment proche de celle du THC, d'où le fait qu'ils peuvent tous les deux se lier aux récepteurs CB1 et CB2. Mais le CBD n'a pas d'effet euphorisant, ni désinhibiteur, ni stimulant, comme le THC. Mais il peut quand même avoir des effets puisqu'il a quand même une capacité de se fixer à ses récepteurs CBD1 ainsi qu'à d'autres récepteurs. Ici, je vous ai mis un petit tableau qui résume à quel récepteur peut se fixer le CBD et les potentielles implications en termes de fonctions biologiques et pharmacologiques. Par exemple, il y a plusieurs études animales qui ont suggéré que le CBD pourrait aider à diminuer l'anxiété. Plusieurs voies thérapeutiques sont en exploration pour ce qui est le traitement de la douleur chronique, de l'anxiété, d'améliorer la qualité du sommeil, utiliser de potentielles propriétés anti-inflammatoires du CBD. Quand on ingère du CBD, il est rapidement distribué à tous les organes, notamment le cerveau, le cœur, les poumons et le foie. Le temps de demi-vie du CBD dépend à la fois du mode d'administration et de la dose ingérée. Ce temps de demi-vie pour le CBD varie de quelques heures à quelques jours. Le CBD est métabolisé par divers cytochromes, c'est des mécanismes de détoxification. Pour la voie d'inhalation, les concentrations maximales sont atteintes en 3 à 10 minutes. Pour la voie orale, c'est un peu plus long, entre 1 à 2 heures, voire jusqu'à 6 heures après l'ingestion. Je vous ai évoqué précédemment des potentielles propriétés thérapeutiques pour le CBD. C'est bien sûr principalement basé sur des études animales.
Le CBD peut être extrait par pressage à froid, mais également par extraction par solvant ou par fluide supercritique. Une des difficultés de l'extraction du CBD pour ensuite le commercialiser, c'est qu'il faut ensuite éliminer toute trace de THC. De nombreux usages par rapport au CBD se sont développés, que ce soit en cosmétique sous forme de lotion ou de pommade, ou par l'alimentation avec l'huile de graines de chanvre ou de CBD. On a également tout ce qui est inhalation e-liquide et sommité floral. Moi, je vais faire un petit zoom sur tout ce qui est huile. On peut distinguer un peu trois grands types d'huiles. Les huiles directement obtenues à partir du pressage des graines de chanvre, qui vont contenir de manière intéressante des acides gras polyinsaturés et pas de traces de THC quasiment et pas beaucoup de CBD. Un second type d'huile, c'est l'huile de cannabidiol, où là on extrait le CBD et en fait on réintroduit cet extrait de CBD dans une huile support comme l'huile d'olive. Et donc là on aura des niveaux plus élevés en CBD et quelques traces de THC dans les limites réglementaires. Ensuite, en dernier lieu, il existe l'huile de cannabis, où là, on l'extrait à partir des fleurs ou des tiges, ou de la marijuana. Et là, cette fois-ci, elle contient des niveaux élevés en THC, et du coup, elle est illégale en France et en Europe. En France, la valeur limite des teneurs en THC dans les cultures de chanvre est de 0,2% en termes de concentration. Donc le THC, comme vous pouvez le voir sur ce petit graphique, peut être mesuré par chromatographie. C'est une technique physico-chimique qui permet de séparer les composés. Et donc le petit pic ici, c'est un pic de THC. Il y a une étude qui a évalué les niveaux de concentration en THC et en CBD entre 1970 et 2017 dans les herbes fumées. On est passé de 1% de THC à environ 10% en termes de concentration, alors que pour le CBD, les niveaux n'ont pas vraiment varié. Alors est-ce que le THC et le CBD sont cancérigènes ? Fumer du cannabis, ou c'est comme fumer du tabac, la fumée contient des composés cancérigènes comme les dioxines, les nitrosamines ou du cadmium, et donc la fumée est cancérigène. En 2015, l'Agence de recherche internationale contre le cancer avait constaté un lien entre la fumée de cannabis et un risque accru de cancer du testicule chez l'homme. Par contre, pour les cancers du poumon, les relations étaient plutôt inconsistantes. Et en fait, l'agence soulignait la difficulté de séparer de l'effet cancérigène de la fumée, du THC ou du CBD seul. En France, il existe trois médicaments autorisés à partir du cannabis. Le Nabiximol, ou également appelé Sativex, est un spray buccal à base de THC et de CBD qui permet de traiter les douleurs associées à la sclérose en plaques. Le Dronabinol, ou également appelé Marinol, est lui un médicament en capsule qui contient du THC synthétique uniquement, et qui permet de traiter les douleurs associées à des neuropathies, donc des maladies liées au système nerveux, et également les vomissements et les nausées associées à la chimiothérapie. Ce médicament est en autorisation temporaire d'utilisation depuis 2003. En France, il y a également un dernier médicament à base de CBD, qui est l'Épidiolex, qui permet de traiter les crises d'épilepsie. Ce sont également des médicaments qui sont utilisés lorsque d'autres médicaments échouent pour traiter les symptômes. Donc pour les usages récréatifs du CBD ou côté bien-être ou même la consommation de l'huile de CBD, on n'a vraiment pas beaucoup d'études humaines. La plupart des études portent en effet sur le THC ou le cannabis et une consommation régulière de THC ou de cannabis de manière récréationnelle et chronique est associé à des troubles accrus psychologiques et psychiatriques. Il est également associé à des risques d'anxiété et de schizophrénie. Ici, dans cette étude sur des adultes de plus de 50 ans, on voit que le risque de problèmes psychologiques augmente avec la dose en THC. La question de la dose, c'est vraiment crucial. Dans les essais cliniques, on a des doses plus faibles. Voici une méta-analyse qui a été réalisée en 2015 et qui a identifié les essais cliniques portant sur l'utilisation de THC, de CBD ou de médicaments à base de cannabis, donc dans le but d'un usage thérapeutique. Sur ces 79 essais cliniques, la plupart portaient sur le traitement des douleurs chroniques, mais également sur le traitement des nausées et des vomissements associés à la chimiothérapie. Il y avait quelques rares études sur l'anxiété ou la qualité du sommeil. Ces essais cliniques ont montré un effet favorable des cannabinoïdes pour traiter la douleur chronique. Et les auteurs ont considéré qu'on avait un niveau de preuve modéré pour cet effet thérapeutique. De même, ces auteurs ont considéré que les cannabinoïdes étaient utiles pour traiter la spasticité associée à la sclérose en plaques, c'est la contraction permanente des muscles, avec un niveau de preuve modéré.
Par contre, le niveau de preuve était faible ou très faible pour ce qui était du traitement de l'anxiété, de la qualité du sommeil ou de la dépression. Dans ces essais cliniques, il n'y avait pas d'effet indésirable sur le long terme, mais il y a quand même plusieurs effets indésirables qui ont été rapportés. L'asthénie, les problèmes d'équilibre, la confusion, les étourdissements, la désorientation, l'euphorie ou des diarrhées, ainsi que de la somnolence, de la fatigue et des fois des hallucinations. Une autre méta-analyse plus récente de 2021 a exploré la littérature sur l'utilisation du cannabis ou des cannabinoïdes pour traiter la douleur chronique de certains patients. Ils ont constaté que les cannabinoïdes permettent une amélioration de la qualité du sommeil et des troubles cognitifs, ainsi qu'une réduction de la douleur chronique. Cependant, les auteurs en conclusion précisent quand même que la taille de ces effets est assez petite en valeur absolue. Une des limites de cette revue de la littérature est que les essais cliniques sont plutôt courts, moins de 6 mois, ce qui peut être embêtant quand on analyse des maladies chroniques. On a également des effectifs de petite taille, donc pas beaucoup de participants dans ces essais cliniques, souvent moins de 100 personnes, et l'utilisation de différentes mesures de résultats qui peuvent des fois compliquer les comparaisons entre les essais cliniques. À savoir que dans cette revue de la littérature, il précisait également que la fréquence des effets indésirables augmente avec la dose, c'est-à-dire par exemple le nombre de sprays de nabiximol. Un autre rapport anglais concluait également que le CBD pourrait aider à contrôler et réduire la douleur chronique, mais il précisait également que c'est compliqué de distinguer l'effet du CBD du THC, puisqu'ils sont souvent utilisés ensemble. Le principal constituant analgésique, donc qui permet de diminuer la douleur dans le cannabis, c'est vraiment le THC, qui va en fait se fixer au récepteur CB1. Dans le système nerveux central, il va bloquer la libération de neurotransmetteurs associés à la douleur. On suspecte également un même effet analgésique pour le CBD, puisqu'il peut également se lier au récepteur CB1 et CB2, mais avec une affinité 2 à 3 fois moins importante que le THC. Donc ça a été constaté également dans des études animales. Pour l'utilisation du CBD en usage thérapeutique seul, il pourrait également aider à diminuer l'anxiété en activant des récepteurs sérotoninergiques présents sur les membranes postsynaptiques. Cependant, la plupart des preuves mécanistiques proviennent des études animales. Chez l'homme, on avait 3 essais cliniques de petite taille avec moins de 60 participants et qui utilisaient une dose unique de CBD en prophylactique. Donc 60 participants, c'est également rien quand on compare avec les essais cliniques sur les vaccins avec 30 000 personnes. Pour traiter le sommeil, la dépression, en fait, on ne sait pas non plus grand-chose sur l'utilisation du CBD seul en essai clinique. À noter qu'à haute dose d'utilisation du CBD, des études animales ont relevé des problèmes de toxicité sur la reproduction et le développement. À savoir qu'également, l'huile de CBD n'est pas un médicament. Tout ce qui est allégation marketing par rapport à cette huile, c'est souvent pas prouvé. Parce qu'en fait, si ça avait des effets thérapeutiques, cette huile deviendrait un médicament, en fait. Et pour le CBD, je pense qu'on a beaucoup plus de hype en termes de bien-être ou de bénéfices pour la santé que de réelles preuves basées sur des essais cliniques. De même, je n'ai pas trouvé d'études observationnelles par rapport à la consommation d'huile de chanvre ou de CBD et leur impact sur des maladies chroniques comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires, par exemple. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à lire la description YouTube pour avoir les références scientifiques si vous voulez aller un peu plus loin. J'ai également une page Facebook et je suis présent sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner à mes vidéos en cliquant sur la petite cloche. Et j'ai également un compte YouTube si vous voulez soutenir ma chaîne.